fois. Pourquoi y a-t-il une alternance politique dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest et dans très peu de pays d'Afrique centrale? Je crois que les anglophones insistent beaucoup plus sur la liberté et l'objectivité des choses. Et je crois que la France soutient nos leaders. Les Anglais ont beaucoup moins d'influence en Afrique. Et que pensez-vous du rôle qu'a joué la France en Côte d'Ivoire l'année dernière? Non, non, je ne suis pas d'accord avec ce que la France et l'ONU a fait en Côte d'Ivoire. Bien poser une question en avec là-bas, en Côte d'Ivoire. Qui a gagné les élections chez vous? Il m'a dit sans hésitation, c'est Gbagbo. Mais ce qu'on a fait là-bas, n'est-ce pas, l'oublier maintenant, il est à la haie. C'est pénible pour l'Afrique, à mon avis. Quand vous avez vu le transfert de Laurent Gbagbo à La Haye, vous n'avez pas du tout apprécié. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il fallait qu'il soit jugé dans son pays. Pourquoi à La Haye? Le Conseil international a déjà pris position contre lui. Mais l'ONU dit que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Oui. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Il fallait qu'il laisse les Ivoiriens résoudre leurs problèmes. Je crois que quand l'extérieur intervient, il aggrave les choses en donnant des armes.